Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. CBF1 on se retrouve pour une vidéo d'incroyable talent. Ce n'est pas le JT de 20h. Et encore une fois, je vous ai trouvé une perle rare. C'est très difficile de trouver des perles rares. Ce sont en plus des attaques très courtes. C'est pour ça que je vous fais une petite intro. On ne voit pas encore l'attaque, parce que sinon, le temps que je vois cette intro, l'attaque est déjà terminée. Donc on va regarder tout ça en images. Voilà, le voici, le voilà, notre champion du monde d'aujourd'hui, c'est quelqu'un du clan Irish Warriors, c'était en guerre contre les frérots, merci les frérots et super patounés de s'être fait attaquer par cette personne, il n'a pas fait exprès, il n'a pas choisi, c'est quelqu'un de très courageux, c'est un incroyable talent, regardez, il n'a que des dragons 2, des géants 4, des sorciers 4, il balance, il se dit, moi je vais y aller tout en puissance, je vais mettre mes doubles sorts de rage sur mes dragons, je n'ai pas peur de ce mono sans défense, je vais y aller franco, il balance ses géants après derrière, comme ça parce qu'il se dit peut-être que ça fera quelque chose contre ces murs de niveau 10. Il attaque le premier d'en face, c'est-à-dire super partenaire qui était le premier. Regardez, vous voyez en haut à gauche marqué numéro 1. Voilà, il n'a pas peur, il se dit moi je vais y aller, moi je vais faire un carnage. Et effectivement c'est un carnage, mais plutôt contre son camp. Regardez, les troupes du château de clan sont encore contre lui, les petits roquets de lave, les petits archers bien sûr qui peuvent faire la différence sur ce laboratoire. Attention, ils vont l'avoir, ils l'ont eu, c'est magnifique. Donc il a visé. Bah, il a eu 17%, il en visait j'imagine beaucoup plus, mais bon voilà, ça s'arrête là, encore un gros GG à cette personne. Bah écoutez, moi j'ai plus rien à vous dire, si ce n'est que voilà, votez, enfin votez, rien à voter, dites-nous ce que vous appréciez, c'est un incroyable talent. Il n'est pas français, on aimerait bien trouver des incroyables talents français bien sûr, mais bon en même temps on a peur qu'il se suicide, donc on va éviter trop de les charrier. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir cette vidéo, ciao ciao.